Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors dis-moi, toi qui es petit, je sais que tu as plein d'idées dans la tête. Ça t'est jamais arrivé d'imaginer que tu pouvais voler comme un oiseau? Peut-être que tu as déjà rêvé de voler? Moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais petit. Je rêvais que je volais. C'était génial! Mais on peut pas voler. Sauf si on a un parapente sur le dos. Demande à Alice pour voir, elle te racontera. Ou alors, si on est dans un avion. T'as vu le bel avion que je vous ai fait? Super! On va le faire voler tout à l'heure. Alors, ça t'est déjà arrivé de voler, tu sais, quand papa ou maman te prenait et te faisait voler dans les airs en te tenant par les mains ou par les pieds? Ah, moi j'ai souvent fait ça à mes filles, elles aimaient ça, c'était vraiment super. Mais on ne peut pas voler. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas rester sous l'eau très longtemps. C'est les poissons. Nous, on est incapables de faire ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais sais-tu que rien n'est impossible à Dieu? Alors, je te raconte une histoire. Dieu a fait un jour une promesse à un homme qui s'appelait Abraham. Il lui a dit, Abraham, tu vas avoir des enfants. Mais tes enfants seront tellement nombreux que... Tu vois, quand tu es au bord de la mer, tu as déjà été à la plage, hein? Tu sais, tous ces petits grains de sable qui sont là. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Tu imagines ça? Mais Abraham n'avait pas d'enfants. Il était âgé. Il était même plutôt vieux. Il avait pas loin de 100 ans et sa femme avait pas loin de 90 ans. Dis-moi, quel âge ont ta mamie et ton papy? Demande-leur pour voir, demande à tes parents et tu verras. 90 ans et 100 ans, ça fait quand même vieux. Et Abraham se demandait, mais comment Dieu va faire pour tenir sa promesse? Un jour, Dieu a visité Abraham et Sarah. Il est venu accompagné de deux anges et ils étaient tous les trois déguisés comme des êtres humains. Ce qui fait qu'Abraham et Sarah ont vu trois messieurs qui arrivaient. Alors ils les ont invités à manger. Ils ont préparé le repas, en tout cas Sarah a préparé le repas, et puis Abraham discutait avec eux. Et puis, voilà que Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, Abraham, l'année prochaine, tu vas avoir, ta femme va avoir un bébé. Et Abraham regarde le Seigneur, et puis dans la tente à côté, il y avait sa femme Sarah qui a entendu ça. Alors quand elle a entendu qu'elle allait avoir un bébé, à 90 ans, elle a rigolé. Pouh! Elle rigolait dans sa tente, pas trop fort, hein, pour qu'on l'entende pas, mais Dieu, lui, il a entendu. Et il a dit, mais pourquoi Sarah a rigolé? L'année prochaine, tu verras, Abraham, Sarah aura un enfant. L'année suivante, à la même date, Sarah avait un enfant. Et devine comment ils l'ont appelé cet enfant. Tu sais peut-être, il s'appelait Isaac. Tu sais ce que ça veut dire, Isaac? Ça veut dire, il rit. Tu te rends compte? Alors Isaac s'appelait Il rit, c'est son nom, voilà. Et en tout cas, je voudrais lire avec toi un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, quand Dieu a entendu Sarah rire. Il a dit, est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu, puisqu'ils ont eu cet enfant. Et Dieu tient toujours ses promesses. Alors, je te propose qu'on prie ensemble et après on va faire décoller l'avion, d'accord? Allez, on va prier ensemble. Tu mets tes mains ensemble, tu fermes tes yeux. Merci Seigneur, parce que c'est bon de savoir que rien ne t'est impossible. Amen. Alors, on le fait décoller cet avion? Allez, c'est parti! Salut!